information sur A30 Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Pays solution dans la lutte contre le changement climatique, la République démocratique du Congo mérite de compensation équitable pour des efforts fournis dans la sauvegarde du bassin du Congo. Telle est la grande ligne du message du chef de l'État Félix Tshisekedi à Belém, au Brésil, au sommet sur le bassin de l'Amazonie. Après l'incident d'hier au rond-point Ngaba, les interpellations pleuvent contre la SNEL face au mauvais raccordement de câbles électriques dans la ville de Kinshasa. Les Kinois appellent la SNEL à assainir l'environnement électrique dans la capitale congolaise. Jeu de la francophonie à Kinshasa, avec les infrastructures héritées de ces Olympiades, la Fédération de basketball du Congo entend s'activer davantage pour une meilleure préparation des athlètes en vue de remporter des titres dans la plus grande compétition. Interview avec le président de la FEBACO à suivre dans un instant. Voilà tout pour les titres, les détails, c'est tout de suite. En ce jour, à Belém, au Brésil, où il la prépare, au sommet du bassin de l'Amazonie, Félix Tshisekedi a porté la voix de la République démocratique du Congo pour des compensations plus équitables pour la préservation des forêts du bassin du Congo. Un message lancé par le chef de l'État dans son discours prononcé ce mercredi à l'ouverture de ces sommets présidés par le président brésilien Lula da Silva. Images et commentaires. Organisé à Belém, au Brésil, le sommet du bassin de l'Amazonie vise à créer une dynamique pour mieux défendre les intérêts de l'humanité et des peuples. L'autre objectif est de réduire la pauvreté et créer les conditions d'une croissance socio-économique. Il réunit les dirigeants des 8 pays du Sud américain qui partagent le plus grand bassin forestier du monde autour du président brésilien Lula da Silva. Ajoutez à cela les autres invités et partenaires qui partagent la même préoccupation de la sauvegarde des 3 grands bassins forestiers de la planète, le bassin du fleuve Congo et des Bornéo-Mékong, à l'instar de l'Amazonie. Dans son discours d'ouverture, le président brésilien Lula tenu a rappelé l'urgence de lutter contre la déforestation pour faire face à l'aggravation sévère des changements climatiques. Invité pour la première fois aux côtés des autres partenaires qui partagent la même préoccupation de la sauvegarde des 3 grands bassins forestiers de la planète, le président Félix Tshisekedi, fidèle au concept RDC Pays Solution dans la lutte contre les changements climatiques, a lancé 3 messages clés. Il a signifié que l'RDC est consciente de son leadership climatique, naturel et du rôle qu'il doit jouer pour la transition écologique et la stabilisation du climat de la planète. Selon le chef de l'État, le Congo-Kinshasa a décidé d'améliorer progressivement la gouvernance de son patrimoine naturel et de lutter plus efficacement contre l'extrême pauvreté de sa population, qui demeure la cause première de la déforestation dans tous les pays et dans les bassins du Congo. L'autre message du premier citoyen de l'RDC a porté sur la demande de compensation plus équitable pour les efforts que devra fournir le pays pour préserver ses forêts. Combattre les principaux facteurs de la déforestation en commençant par l'insuffisance d'approvisionnement en électricité, l'agriculture surbrûlée et l'exploitation forestière anarchique. À Belém, le président Félix Tshisekedi a échangé également avec le président brésilien Lula sur le premier sommet trilatéral des 3 grandes forêts tropicales du monde à Kinshasa. Ce sommet de Kinshasa va réunir autour du président Tshisekedi les chefs d'État du Brésil, Lula da Silva pour le camp de l'Amazonie et son homologue de l'Indonésie pour le camp du bassin de Bornéo-Mékong. Retour à Kinshasa. Le pays s'apprête à organiser la toute première édition du conclave du génie scientifique congolais annoncé du 14 au 24 août prochain. En prélude de ce rendez-vous de scientifiques, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a effectué une descente dans la matinée de ce mercredi au chapiteau du Palais du Peuple, lieu choisi pour abriter cette activité. Le premier conclave du génie scientifique congolais se veut être une vitrine du savoir congolais.
au chapiteau du Palais du Peuple où il a fait le déplacement, le chef du gouvernement s'est informé du niveau d'avancement des préparatifs à travers la visite des stands d'exposition sous forme d'un pré-conclave. Plusieurs domaines de la recherche scientifique concernés pour ces assises ont été présentés au Premier ministre, notamment la pharmacologie, l'agroalimentaire, l'agro-industrie ou encore les domaines des voitures électriques. Une occasion pour le chef du gouvernement d'encourager cette belle initiative du ministère de la Recherche scientifique dont l'objectif principal est la promotion de la production locale. Donc ici, nous sommes venus dans un secteur porteur où de plus en plus nous avons besoin de voir l'innovation dans notre pays. De manière à ce que nous puissions augmenter notre propre capacité de résilience. Et cela dans tous les domaines. J'ai tenu à venir voir un peu les préparatifs justement de ce premier conclave du génie congolais, où plusieurs produits seront présentés, notamment dans l'agroalimentaire, dans l'agro-industrie, mais aussi dans d'autres domaines, pharmaceutiques et aussi du numérique. Et ici, il faudrait comprendre que, surtout en ce qui concerne l'agro-industrie, tel que le prend son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est de voir tous les jours une production locale. Ici, nous avons déjà des produits, mais qui ont besoin d'être encouragés en termes de production industrielle. Et donc, c'était très intéressant de visiter les différents stands, voir ce qui se fait, et pouvoir encourager en fait cette promotion scientifique. Prévu du 14 au 24 août, le premier conclave du génie scientifique congolais se tiendra autour du thème « La recherche scientifique et l'innovation technologique et le cerveau du développement d'une nation ». Il connaîtra la participation des génies scientifiques congolais issus de plusieurs domaines, une occasion pour eux de présenter leurs différents produits. Direction la Commission électorale nationale indépendante en mission en République démocratique du Congo, un groupe des parlementaires allemands édifiés sur le bon déroulement du processus électoral pour une tenue des élections dans le délai. La délégation des législateurs allemands s'est ainsi exprimée au sortir des échanges avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. C'était mardi au siège de cette institution. Wir in Deutschland sind eng verbunden mit Afrika, aber auch mit dem Kongo. Nous en Allemagne, nous sommes naturellement très intéressés à ce qui se passe ici au Congo. C'est pour cela que nous sommes venus pour nous enquérir de la situation, savoir comment est-ce que le processus électoral est en train de s'organiser ici en République démocratique du Congo. Les processus d'enrôlement est une étape très importante afin de créer la confiance pour que les élections transparentes et inclusives se tiennent. Je vous remercie sincèrement pour cet entretien que nous avions eu. Je vous remercie également au nom de la Fondation Konrad Adenauer. Je le disais dans les titres, interpellation de la SNEL par des Quinois sur la fréquence très élevée des câbles entremêlés dans la capitale, surtout des cas similaires à ceux à la base de l'incendie au contact avec un camion citerne plein de carburant au rond-point Gaba. Pour ceux de ces Quinois interrogés, la SNEL devra assainir l'environnement électrique dans la capitale. Cela évitera des incidents similaires. Les câbles électriques entremêlés du genre de ceux à la base de l'accident mortel du camion citerne rempli du carburant se comptent en nombre très considérable à travers la ville de Kinshasa. Autant dire que la situation des câbles relevés au rond-point Gaba n'est pas un cas unique. Des exemples du genre foisonnement à Kinshasa, tant si bien les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Conséquence, les Quinois vivant dans cet environnement s'exposent à d'autres sinistres. Fort de cette expérience malheureuse du rond-point Gaba, on ne peut que lancer un cri de détresse en guise de prévention. C'est superpose. Parfois, vous trouvez que quand un câble est attaqué, ça entame tous les câbles, puis il y a du feu. Il y a toujours les dangers permanents. Et très souvent, ce sont les jeunes du quartier qui viennent intervenir. C'est comme si la SNEL n'a pas un service pour revoir un peu les câbles.
Vraiment, c'est catastrophique. L'expérience rendant sage pour éviter les pires, certains Quinois sont d'avis que l'assainissement de l'environnement des installations et des raccordements électriques s'impose pour la SNEL. J'habite dans le quartier de Kindele, le monde à Poula. Il y a un problème de courant. Le problème de courant qui se pose là, c'est par rapport à la politique de la SNEL. Il n'y a pas vraiment l'aménagement dans le système. Si vous regardez très bien, ce sont les abonnés eux-mêmes qui achètent les câbles et eux-mêmes qui amènent les agents pour installer les courants dans les câbles. Voilà, c'est ça le problème. Et quand les abonnés eux-mêmes s'organisent pour installer les courants, ça pose un problème. La SNEL qui devrait le faire avec les agents, les SNEL, il y a une politique de l'installation. En attendant que la même SNEL s'y active, la même société est pointée du doigt. Mais une chose est que la plupart des cas, les Quinois sont amnésiques sur certaines situations de catastrophe, des situations évitables si les uns et les autres suivent la logique des choses. Plus que 3 mois avant la réouverture du grand marché de Kinshasa, l'annonce est du gouverneur de la ville, Jean Tiningobila, après la visite qu'il a effectuée dans ses sites mardi dernier. Mardi 6 août 2023, jour de la dernière visite en date du gouverneur de la ville, Jean Tiningobila Mbaka, au marché central de la capitale. Visite effectuée en compagnie de toute son équipe gouvernementale provinciale en guise de l'état des lieux de l'avancement des travaux de réhabilitation de ce site de négoce. Sur place et au bout de sa ronde, dans ce grand chantier, l'autorité provinciale a tendu ses oreilles aux explications des Nigériens commis à ces travaux avant de livrer ses impressions. Au Kitaki pour la visite d'inspection et les travaux au Zosalimanakati à Zando. Comme boyebi li solo ya zando eza li solo moko donc ba mama ba belela ba mama ba lela nanga moko en tant que maman ezo salanga monté ma passé donc je peux dire que ezala qui vraiment décision moko alors facile à tamukete pour na président de la République Fatih Beton et pour na gouverneur à Villa Kinshasa en tout cas pas c'est les kala ki awa total pe ba image wana total ba souvenir wana ezala ki biso pe passé nazala ki kout na kati ya commission dans le temps wana nazala na niveau assemblée to lobela ki makambo ya zando yo makasi bon mona même que on attend wana monsieur Asanto Bengsaki donc c'est pour dire que ezaki elo remonte aux qui très impliqué et les lots et total vraiment réalisation total à combien de pourcents ans de commis prêts pour ma maman, ma papa, na biso ba ndeko, na biso ba zonga côté ka dans ma condition normale. La visite de chantier effectuée et toutes les explications reçues, rien ne peut empêcher le numéro 1 de la ville de fixer l'opinion sur la réouverture du nouveau grand marché de la ville de Kinshasa. C'est après mai 2020, avec l'avènement de la Covid-19, que ce marché a été fermé au public avant sa totale démolition. C'est sur ce site que l'on y verra germer un nouvel édifice, mais Jean Tiningobila, juste un peu de patience, jusqu'au mois de novembre prochain. Les encadreurs et opérateurs de l'enseignement dit le cycle maternel à l'école du savoir en perspective de la rentrée de classe, une formation organisée par l'Agence pour la promotion de l'enseignement en collaboration avec l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique à travers le sénateur maternel. Ouvert mardi à Kinshasa, l'atelier prévu pendant 4 jours a pour objectif d'outiller ces acteurs afin qu'ils soient à la hauteur de leur tâches dans la formation des écoliers.
L'enseignement des enfants à l'école maternelle sera désormais transmis par les encadreurs, qualifiés scientifiquement et pédagogiquement. C'est l'objectif même de l'atelier, des formations de plus de 200 opérateurs et encadreurs pédagogiques de l'enseignement préscolaire, venus de toutes les provinces éducationnelles de la République démocratique du Congo-Brazzaville et de l'Angola. Dans la manœuvre pour la formation de ces acteurs de l'enseignement préscolaire, l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique, en collaboration avec l'Agence pour la promotion de l'enseignement. Les participants sont outillés sur les neurosciences, la logopédie préventive et les prérequis du préscolaire afin de faciliter l'apprentissage de l'enfant en première année primaire. Cette formation est en parfaite harmonie avec l'une des recommandations de la Conférence mondiale sur la protection et l'éducation de la petite enfance, tenue du 14 au 16 novembre 2022 à Tachkent, en République d'Ouzbékistan, qui interdit de confier la gestion des classes préscolaires aux personnes sous-qualifiées, compte tenu du caractère très spécifique et délicat. Dans son mot, Michel Otto, expert de l'Agence pour la promotion de l'enseignement préscolaire, a précisé que cette formation se tient en marge de la grande fête du préscolaire qui aura lieu le 12 août prochain. Cet événement, selon lui, sera un moment de réveil pour les préscolaires qui a moins d'accompagnateurs. Ouvert le mardi 8 août, l'atelier de formation des encadreurs du cycle maternel va se clôturer le 11 août prochain. Toujours dans ce chapitre d'éducation, une bibliothèque mise en place par les tenants de librairie Pauline à la place Royale dans la commune de Lagombe. Objectif visé, faire renaître le goût du livre et de la lecture, surtout auprès des enfants dans un univers où la lecture, où la culture de la lecture est en perte de vitesse. Une bibliothèque dans la rue ou une bibliothèque en plein air à Kinshasa, toute une réalité vécue à la place Royale dans la commune de Lagombe. Dénommée Librairie Pauline, anciennement Saint-Paul, cette maison du livre a découvert à toute une histoire, l'histoire d'une congrégation de religieuses avec une origine en Italie. C'est une librairie qui date de beaucoup d'années. Ça a commencé par l'Italie parce que nous sommes une congrégation religieuse internationale. Ça a commencé en Italie avec l'intention de diffuser aussi les valeurs à travers les médias, entre autres les livres. Alors, nous sommes dans les médias en général. À en croire la sœur Perpétuée Canime, coordonnatrice des filles de Saint-Paul, la congrégation religieuse à laquelle elle appartient est très attachée aux médias et surtout aux livres. Mais ici au Congo, nous sommes plus dans le domaine du livre. Et c'est comme ça que vous allez trouver la librairie Pauline partout et Mediaspol, parce que nous avons le même fondateur qui est italien. Bon, maintenant, l'œuvre s'est répandue dans le monde entier. Par cette initiative, l'objectif à viser est la sensibilisation ou l'incitation à la lecture, une culture en perte de vitesse dans un univers où l'image est dominante. C'est une bibliothèque en plein air, je peux dire une bibliothèque sur la rue, pour justement inviter les gens à venir lire. C'est gratuit, c'est gratuit. Non, la bibliothèque a été organisée dans le sens d'occuper les enfants qui sont en vacances. Bien qu'en plein air, cette bibliothèque est tout swappée, attractive, même si ce n'est pas à grande échelle. Nous sommes dans le domaine du livre, mais depuis un temps, on voit que le livre n'est plus lu. Ce qui fait que ça fait 6 ans maintenant, nous organisons des activités livresques pour sensibiliser à la lecture. Selon la sœur Perpétuée Canime, cette initiative des librairies dont Larry est une expérience vieille de 6 ans, expérience à laquelle sa congrégation et la librairie Pauline tiennent mordicus pour allumer la fibre de la lecture.
Le comité national de 9e jeu de la francophonie satisfait de la réussite de ce grand rendez-vous en termes d'adhésion massive de la population. Voilà le sens de la déclaration du chargé des animations périphériques lors de la campagne de mobilisation organisée en prélude de cet événement dans la capitale congolaise. Eric Mpoy félicite par ailleurs la population kinoise pour la grande mobilisation. Oui, c'était une grande réussite parce que nous avons, pour organiser ces jeux, nous étions butés à plusieurs challenges, plusieurs défis organisationnels. Mais comme on dit, l'impossible n'est pas congolais. Dans les délais de préparatifs, où on était déjà hors délai, mais nous sommes arrivés à pouvoir surmonter les défis que nous avions en termes d'infrastructure et en termes, bref, en termes organisationnels. Il y a ce que nous avions prévu avant et ce que nous avions pu réussir à organiser. Nous avons pu au moins sensibiliser plusieurs zones de la ville de Kinshasa où nous avons été pour pouvoir faire des campagnes de préparation pour créer l'engouement, susciter l'engouement que nous devions amener pour permettre à la population de pouvoir connaître les jeux. La population kinoise a vraiment pris part massivement à ces jeux. Le stade était plein. À l'extérieur, nous avions toutes les zones qui étaient pleines. Le palais du peuple était plein. Donc la population était au rendez-vous. Donc nous pouvons penser que le peuple kinois était heureux d'accueillir ces jeux. Toujours dans le cadre des animations, les animations continueront leur programme. Vous le verrez encore, que ce soit des programmes télévisés ou des programmes terrain. Nous allons continuer dans le cadre de notre mission. Nous allons continuer à pouvoir faire nos campagnes de sensibilisation. Les deux gymnases de basketball hérités de jeux de la francophonie seront mis à profit pour une meilleure prestation des basketteurs congolais aux futures compétitions. Ainsi s'est exprimé le président ad intérim de la Fédération de basketball du Congo, satisfait de la construction de ces infrastructures modernes. Il a dit ce mercredi au cours d'une interview accordée à Meshack Wabino. On a cru à un moment que la RDC... Pour la Fédération de basketball du Congo, le jeu de la francophonie de Kinshasa ont été d'une importance capitale, notamment en termes d'amélioration des performances des jeunes athlètes congolais et les infrastructures modernes. Même si les Léopards d'un basketball de la RDC n'ont obtenu aucune médaille au cours des six Olympiades, les présidents ad intérim de la FEBACO estiment que les représentantes congolaises dans cette discipline peuvent faire mieux dans l'avenir. Nous n'allons pas trouver d'excuses à cela. Ce qui est vrai est que les filles ont livré une bonne prestation. Nous leur avions demandé de donner tout et elles ont quand même donné tout. Cette équipe va constituer effectivement un noyau. Bien sûr, il faut travailler pour améliorer sa forme et espérer y demeurer. Nous sommes satisfaits, nous remercions vivement le chef de l'État et tout le gouvernement pour ses infrastructures. Et nous souhaitons vivement, encore une fois, que l'aréna qui a déjà été annoncée soit réellement construite. Parce qu'avec ça, nous pouvons maintenant organiser les éliminatoires des zones. Et lorsque nous aurons l'aréna, nous pouvons organiser les phases finales. Donc c'est déjà une très bonne chose parce que nous n'avions pas de terrain couvert. Le plus grand avantage à expliquer pour les Kabongo reste l'héritage obtenu grâce au jeu de la francophonie en termes d'infrastructure. Oui, vraiment, et que l'un de ces stadiums-là soit affecté uniquement au basket. Ça nous ferait énormément plaisir. Alors, si ce sont les fédérations qui auront la gestion, je peux vous assurer que ce sont des terrains qui seront bien conservés. Le jeu de la francophonie s'est senti déroulé du 28 juillet au 6 août dernier. Au total, 9 compétitions sportives ont été organisées à l'issue de ces grands rendez-vous francophones. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de votre fidélité. Attention à Actu 30. Le prochain rendez-vous est pris pour demain à la même heure. Au revoir.